Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre audition. Nous allons auditionner donc aujourd'hui Mathieu Chabanel, président-directeur de SNCF Réseau. Avant de commencer, j'espère que vous avez passé une bonne pause parlementaire. Euh, la pause paraît bien loin, on regarde des travaux qui ont d'ores et déjà euh, commencé. Je pense notamment euh, le travail qui est mené sur la commission d'enquête sur le fret ferroviaire, sur les travaux qui sont menés euh, sur le sujet de la biodiversité euh, dans, au niveau agricole. Et je, je le dis, euh, une mission parlementaire euh, fort intéressante que nous avons menée euh, en Guyane, euh, qui a permis euh, de mettre euh, en avant le sujet du euh, désenclavement euh, nécessaire de ce territoire. Et nous, serons, nous aurons l'occasion euh, mi-novembre de vous présenter les euh, prérogatives à l'issue de cette mission. Euh, avant euh, d'auditionner euh, Monsieur euh, Chabanel, quelques annonces euh, pour vous dire que Monsieur Damien Adam euh, sera rapporteur sur la proposition de loi relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic. Madame Clémence Guettet sera rapporteure sur le projet de nomination de Madame Virginie Schwartz aux fonctions de PDG. De Météo France en application de l'article 13 de la Constitution. Et enfin, Jean-Luc Huigitte sera rapporteur pour avis sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Y a-t-il des oppositions Pas d'opposition, il en est ainsi. Nous en venons à nos travaux c'est donc un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Mathieu Chabanel, président directeur général de SNCF Réseau. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous voyez, c'est notre première audition en cette rentrée. Cette audition elle est essentielle pour évoquer notamment le sujet essentiel du financement des infrastructures ferroviaires et aussi faire un point d'actualité sur la situation de SNCF Réseau. Vous le comprendrez, cette audition revêt évidemment une importance particulière en cette période de l'année alors que nous allons bientôt entrer dans la discussion budgétaire. Notre commission est, vous le savez, très, at très attentive au sujet des infrastructures de transport et en particulier de transport ferroviaire. Nos débats passés ont montré que nous sommes sur tous les bancs soucieux d'assurer un financement pérenne du réseau qui permettent le maintien, la régénération et la modernisation des lignes. Nous sommes en particulier très attachés aux lignes de desserte fines qui contribuent à l'aménagement durable de nos territoires mais aussi, vous le savez, un report modal de l'aérien vers le ferroviaire mais aussi, vous le savez, gros travail qui est mené à la fois sur le fret, mais aussi sur le sujet des transports de voyageurs. Donc une question qui se pose, c'est notamment les perspectives en matière de, de report modèle entre l'aérien et le ferroviaire, mais aussi comment est-ce que SNCF Réseau compte aborder l'année qui vient et quels sont les grands enjeux financiers de 2024 avec, il faut le dire, la nécessité d'accompagner la dynamique de SNCF. SNCF Réseau, je pense en particulier sur le sujet du maintien de notre réseau. Nous avons aussi d'autres sujets d'ampleur, comme la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains, les fameux CERM. L'objectif est de parvenir rapidement à une, à une adoption de, la, de ma proposition de loi, pour ensuite passer à la mise en œuvre concrète sur le terrain. SNCF Réseau jouera évidemment un rôle central dans le dispositif. Est-ce que vous pourriez nous partager la stratégie de SNCF Réseau sur ces services express régionaux métropolitains Monsieur le Président, Directeur Général, je ne serai pas plus long et je vous cède la parole et je suis certain que nos collègues auront des interventions comme il est d'usage brillantes. Merci euh, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les, les députés. Je suis à la fois heureux et honoré de pouvoir euh, m'exprimer devant votre euh, commission. Euh plus est le, le jour de sa rentrée euh, de septembre. Je voudrais évoquer euh, rapidement dans cette introduction euh, auprès de vous trois grands thèmes. D'abord les priorités en matière euh, d'investissement telles que nous pouvons les percevoir euh, du côté de SNCF Réseau. Ensuite la, la situation économique et le retour à l'équilibre euh, de l'entreprise. Et enfin euh, les enjeux environnementaux qui me semblent prégnants dans la stratégie de, de SNCF Réseau. En matière d'investissement, mon propos sera sans surprise quand je vous dirai que le cœur de mes priorités, c'est la régénération et la modernisation du réseau dit structurant, le réseau qui voit passer le plus grand nombre de trains. C'est un propos sans surprise car c'est aussi euh, la première priorité qui a été fixée euh, dans le scénario transition écologique euh, du Conseil d'orientation des infrastructures dont, dont je salue le Président. C'est aussi euh, la priorité qui a été fixée euh, par l'autorité de régulation des transports dans le rapport qu'elle a, qu a produit au mois de juillet dernier euh, pour définir les conditions du développement du trafic dans notre pays. Et c'est enfin et peut-être avant tout la, la priorité qui a été reprise par la Première ministre dans son discours cours De février dernier, plan d'avenir pour les transports, où elle a indiqué l'objectif de mettre un terme au vieillissement du réseau et de le moderniser. Alors pourquoi cette priorité aujourd'hui partagée largement, vous le disiez, monsieur le président, entre, entre les acteurs D'abord parce que ce réseau dit structurant, il accueille 85% des circulations plus de 80% des circulations TER, ce n'est pas le réseau des trains à longue distance, c'est bien le réseau de tous les trains, et que ce réseau, euh, il est à la fois étendu sur notre territoire, mais il est ancien, plus ancien que les autres réseaux euh, européens, et que euh, les efforts importants qui ont été conduits depuis maintenant une dizaine d'années, avec le soutien euh, euh, du gouvernement, ont permis de contenir le vieillissement de ce réseau, de stabiliser sa performance, mais euh, si des efforts complémentaires ne sont pas consentis dans les années à venir, le vieillissement se poursuivra. Euh, en absence de modernisation, nous nous éloignerons des standards européens, notamment en termes de déploiement des nouveaux systèmes de signalisation européens. Et enfin, il sera difficile euh, d'envisager un développement durable des trafics sur un réseau qui verrait sa performance euh, à la fin de cette décennie et dans la décennie suivante euh, diminuer et ses coûts, euh, coûts augmenter, alors même que nos clients entreprises ferroviaires ont envie de faire plus de trains et que euh, les clients des entreprises ferroviaires, que ce soit les chargeurs pour les marchandises ou les voyageurs, ont envie de plus prendre le train. Euh, alors j'ai pleinement conscience, parce que c'est quelque chose que je porte depuis de nombreuses années, que la modernisation de ce réseau, du caractère un peu rébarbatif de la régénération et de la modernisation du réseau. Ce sont des investissements qui nécessitent beaucoup d'argent. Ce sont des investissements qui euh, se font euh, sur les réseaux exploités, donc avec des, des contraintes pour les voyageurs, notamment en termes d'interruption des circulations, euh, dont je suis pleinement conscient et que nous cherchons à minimiser. Et ce sont des investissements qui, s'ils sont faits au bon moment, n'aboutissent pas à un changement de performance avant et après les travaux. Si on attend trop, qu'on a mis des limitations de vitesse, qu'on a descendu la vitesse sur la ligne à 40 km/h, c'était le cas par exemple entre Nantes et La Rochelle, quand on a fait les travaux, on a gagné ensuite 48 minutes de temps de parcours. Mais. Un bon gestionnaire d'infrastructure, il fait les travaux l'année avant de mettre les limitations de vitesse. Et donc, là, une fois les travaux faits, la vitesse est la même sur la ligne, le temps de parcours est le même. Et euh, simplement, on est reparti avec une ligne qui durera 30, 40, 50 ans euh, devant nous. Et donc, ces, ces investissements ont un caractère dont, dont, dont je conçois qu'il n'est pas très. Euh, vendeurs ou pas, très, ou pas très médiatiques. Et pourtant, ce sont des investissements indispensables, d'abord pour permettre le développement du trafic sur, sur ce réseau, mais aussi, car ces investissements dans le réseau structurant sont le socle nécessaire pour les projets de développement qui sont portés par la nouvelle ambition ferroviaire. Sans réseau structurant modernisé, nous ne pourrons pas mettre en place des services express régionaux métropolitains de qualité, car ces services vont principalement se dérouler, hors infrastructures neuves, il y en aura quelques-unes, mais pour le reste, vont principalement se dérouler sur le réseau structurant. Sans réseau structurant modernisé, les efforts considérables qui sont engagés par les régions et par l'État pour la remise à niveau des lignes de desserte fines du territoire, des plus petites lignes, se verront contrecarrés par le fait que les trains auront des petites lignes de qualité et déboucheront sur un réseau structurant qui, lui, aura continué à vieillir. Sans réseau structurant modernisé, les effets positifs de la grande vitesse et des nouveaux projets de lignes à grande vitesse, notamment pour favoriser le report modal par rapport à l'aérien, seront eux aussi euh, masqués par la baisse de performance du réseau classique. Enfin, sans réseau structurant modernisé, le développement du fret que chacun appelle de ses vœux et qui rencontre aujourd'hui, je le crois, des attentes fortes du marché de, du transport de marchandises, eh bien, ce développement du fret sera entravé. C'est vous dire. Euh, à quel point euh, je me suis réjoui, et les, les équipes de SNCF Réseau se sont réjouies, de la perspective donnée par la Première ministre euh, au mois de février dernier, d'une augmentation des investissements euh, dans ce réseau euh, existant, pour atteindre, d'ici la fin du quinquennat, je reprends ses propos, euh, un investissement de 1 milliard d'euros supplémentaires dans la régénération et de 500 millions d'euros supplémentaires dans la modernisation de ce réseau structurant. Toutes les équipes de SNCF Réseau sont aujourd'hui euh, mobilisées, engagées, et je voudrais les saluer, dans la montée en puissance industrielle pour tenir cette trajectoire. Mais au-delà des équipes de SNCF Réseau, nous ne réussirons cette montée euh, en charge industrielle qu'avec toute la filière ferroviaire. En matière d'investissement, quand SNCF Réseau euh, investit 100 euros, 80 euros sont confiés à la filière industrielle, aux entreprises de travaux, aux fournisseurs, aux entreprises chargées des prestations intellectuelles, aux ingénieries. Euh, et donc, derrière SNCF Réseau, cet investissement complémentaire va bénéficier à toute une filière économique, une filière économique qui est à 97% composée d'entreprises localisées en France. Et une filière économique qui est répartie sur l'ensemble du territoire national, puisque le réseau est réparti sur l'ensemble du territoire national. Les travaux se tiennent sur l'ensemble du territoire national. Alors, pour réussir cette montée en charge, SNCF Réseau, comme la filière, a besoin de visibilité. Là aussi, ça correspond aux recommandations qui ont été faites par le Conseil d'orientation des infrastructures. Ça correspond aux recommandations qui ont été faites par l'autorité de régulation des transports. Je vais prendre un exemple très concret. Vous savez que nous avons des trains-usines qui, euh, en une nuit, réussissent à renouveler euh, un kilomètre de voie complètement, le rail, les, le ballast, les traverses. Ces, ces trains-usines, ils sont possédés par les entreprises de travaux. Ces trains-usines, ils coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros. Une entreprise n'investira pas pour acheter un train de ce type-là si SNCF Réseau n'est pas à même de lui garantir des marchés sur 5 à 7 ans. Et pour que SNCF Réseau puisse lui garantir des marchés sur 5 à 7 ans, il faut que SNCF Réseau dispose de la visibilité sur son plan d'investissement sur 5 à 7 ans. Alors, avant d'en venir au sujet de performance économique de SNCF Réseau, je voudrais revenir, comme vous m'y invitiez, monsieur le Président, sur les CERM en quelques mots. Euh, SNCF Réseau est depuis euh, longtemps promoteur des services express régionaux métropolitains. La, la loi d'orientation euh, sur les mobilités portée en son temps par la Première ministre avait euh, conduit euh, à ce que SNCF Réseau remette un rapport qui euh, définissait un, un premier, une première esquisse de schéma directeur des services express régionaux métropolitains, dont les principes ont depuis été repris, repris et ont depuis euh, prospéré. Mais au-delà de ce rapport, nous avons engagé avec les territoires, avec les régions, avec les métropoles, de nombreuses actions qui se sont déjà concrétisées par des mises en service. Je pense à la quatrième voie au nord de Strasbourg, je pense à Bordeaux, à la halte du Bouscat qui a été inaugurée récemment, qui permet de desservir par le train des territoires qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Ou je pense le week-end dernier à la mise en service d'un nouveau système de signalisation en gare de Rennes qui va permettre, dans la même gare, d'accueillir 30% de trains en plus. Nous nous inscrivons donc résolument dans la feuille de route tracée par le Président de la République et qui se traduira dans les contrats de, de projet État-Région. Nous nous y inscrivons euh, en plein accord et en pleine collaboration avec la Société du Grand Paris dans les termes de la proposition euh, de loi que vous avez portée, Monsieur le Président. Euh, cette coopération s'annonce pour le mieux. Je crois que nous avons SNCF Réseau et la Société du Grand Paris à la fois chacun euh, des compétences, des domaines d'expertise, et que c'est la, la conjonction euh, de ces expertises, de ces compétences qui permettra d'apporter au territoire euh, le service qu'ils euh, qu peuvent attendre et, et, et les, les projets que nous commençons à mener en commun me semblent euh, s'ouvrir sur les meilleurs augures. Alors, ce, ce sujet des services express métropolitains me permet de faire une petite incise sur un point essentiel de la stratégie de SNCF Réseau, qui est le dialogue avec les acteurs territoriaux. Je vous le disais, SNCF Réseau, par la nature même du réseau, est une entreprise euh, territoriale. C'est une entreprise qui génère de l'activité économique dans les territoires. C'est une entreprise qui ne vit que parce qu'elle offre des services euh, aux territoires. Et en même temps, SNCF Réseau est une grande entreprise nationale, un peu technique. Euh, et qui parfois, dans euh, son dialogue euh, avec les acteurs des territoires, euh, a pu ne pas être suffisamment à l'écoute, j'en suis conscient. Et c'est un point de progrès que nous inscrivons au cœur de notre projet, euh, de notre projet stratégique. Nous avons créé euh, cette année une direction des territoires pour porter vis-à-vis -vis des grandes directions nationales de l'entreprise la voix des, des territoires, pour aussi diffuser les bonnes pratiques et je crois que c'est au plus près du terrain que nous serons à même de choisir, avec les acteurs du territoire, naturellement les collectivités territoriales, mais au-delà tout le tissu économique, les bonnes options pour le développement du ferroviaire. Alors j'ai commencé naturellement par le, par le sujet des, des projets d'investissement, puisque d'une part vous m'y invitiez, et puis d'autre part ce sont des grands choix de politique publique qui vont, qui vont se s'affiner au cours du, de, de cet automne. Mais euh, le premier enjeu pour SNCF Réseau, avant même ces projets d'investissement, c'est d'abord de faire rouler chaque jour en sécurité et avec la meilleure qualité de service possible 15 000 trains sur notre réseau. C'est ce qui occupe... Euh, la plus grande partie de nos collaborateurs, qu'ils soient chargés de l'entretien, de l'exploitation du réseau. Et je voudrais euh, profiter de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous pour rendre hommage à leur, à leur engagement quotidien pour réussir, euh, pour réussir cette, euh, cette mission qui n'est pas, euh, pas toujours facile compte tenu euh, notamment de l'âge de notre réseau alors cette mission d'entretien et d'exploitation du, du réseau on doit la faire avec le, le plus grand souci de, de l'efficacité. vous savez que nous sommes une entreprise publique qui vit largement de crédits publics et donc nous sommes engagés dans un plan de performance ambitieux puisque nous avons euh, euh, l'objectif euh, à l'échéance 2026 d'avoir euh, réalisé par rapport à 2016 un milliard et demi de productivité annuelle, ça veut dire en 2026 à production équivalente de coûter un milliard et demi de moins que ce qu'on coûtait euh, en 2016. C'est un plan qui est bien engagé puisque à fin 2022, on était à 940 millions euh, d'euros de réaliser, que tous les jalons qui nous avaient été fixés euh, dans le pacte ferroviaire ont été, euh, ont été tenus et c'est un plan euh, que nous, euh, nous employons euh, à poursuivre dans les années à venir, notamment avec l'objectif en 2024. Euh, d'être arrivé à l'équilibre économique et d'avoir un flux de trésorerie positif pour la première fois euh, dans l'histoire de SNCF Réseau euh, l'année qui vient. Je voudrais souligner que ce, ce plan de performance, nous le faisons dans une entreprise qui n'a déjà pas à rougir par rapport à ses voisins européens. Euh, la Commission européenne établit des comparaisons de la performance des gestionnaires d'infrastructures européennes. Et quand on regarde les dépenses courantes ramenées au kilomètre de voie, la France est dans une bonne moyenne européenne. Nous sommes moins chers que l'Allemagne, moins chers que la Suisse, moins chers que les Pays-Bas. Nous sommes au niveau de l'Espagne. Et donc, nous avons déjà. Par rapport à ces indicateurs de performance européens, un niveau euh, d'attente euh, élevé et un niveau d'engagement euh, élevé. Dernier euh, aspect que je voudrais évoquer devant vous, à, à, avant, avant d'en venir euh, aux, aux échanges, euh, c'est euh, de revenir devant votre commission, qui est quand même euh, au cœur de ces enjeux, euh, sur les, enje les défis environnementaux qui sont les nôtres. Euh, D'abord pour rappeler que euh, le train est une réponse à ces défis environnementaux. Euh, le train est un mode de transport décarboné, que le report... Vers le train, notamment au travers des services express régionaux métropolitains, notamment au travers de nos actions en Ile-de-France. Je pense euh, à la mise en service à la fin de cette année du tramway T12, à, à la première mise en service euh, l'an prochain du projet EOL de RERE, euh, qui, ira, euh, de, au lieu de s'arrêter à Haussmann-Salazar, ira jusqu'à jusqu Nanterre. Je pense aussi euh, au grand projet. Euh, qui nous sont confiés et qui vont permettre de contrebalancer l'aérien. Je pense aux liaisons dans le sud-ouest ou en Occitanie. Je pense aussi aux investissements que nous faisons dans le fret pour permettre le report modal du transport de marchandises de la route vers le fret, avec le soutien du gouvernement, notamment les, 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 les financements qui nous ont été accordés pour la remise à niveau des grands triages de Miramas, de Voipy, de Ciblin ou du Bourget. Tous ces investissements vont, vont permettre de favoriser le report, le report modal et donc d'être bénéfiques pour l'environnement. Mais même dans un monde où les autres transports seraient décarbonés, ce que nous souhaitons tous, même si l'horizon peut paraître lointain, même dans un monde où les autres modes de transport seraient décarbonés, le train garde des avantages environnementaux considérables. Je pense à, euh, au fait qu'il occupe très peu de surface au sol par rapport aux autres modes de transport. Et donc il permet d'éviter la congestion, qu'il permet d'éviter l'imperméabilisation des sols, et que c'est aussi un mode sobre en énergie. Et dans un monde où l'énergie sera rare demain, même l'énergie électrique, si l'ensemble des modes de transport sont électriques, pour autant il faudra consommer le moins d'énergie possible. Eh bien, le train restera le mode qui consomme le moins d'énergie. Alors, ces, ces bienfaits pour l'environnement du train n'exonèrent pas SNCF Réseau d'une action sur son impact propre en matière environnementale. Et euh, SNCF Réseau, en tant que gestionnaire d'infrastructure, d'un plus grand gestionnaire d'infrastructures dans notre pays, doit réfléchir à son propre impact. C'est vrai en matière de biodiversité et nous sommes fiers d'être sortis du glyphosate depuis le 1er janvier 2022. Euh, aujourd'hui, SNCF Réseau n'utilise plus euh, ce produit phytosanitaire. Nous sommes, euh, nous sommes fiers de développer euh, l'économie circulaire euh, en matière de rail aujourd'hui en alliance avec des entreprises implantées sur le territoire. En région Hauts de France et en région Grand Est, nous avons une, une filière d'économie circulaire du rail, c'est-à-dire que les rails, une partie des rails que nous déposons, nous les renvoyons en aciérie électrique, ils sont refondus sous forme d'acier, renvoyés ensuite dans une usine de laminage de rails et, re, euh, et rachetés par SNCF Réseau. Ça permet des économies importantes et de carbone et d'euros, comme quoi on peut concilier euh, l'intérêt écologique et l'intérêt euh, économique. Enfin, euh, nous, nous travaillons à la décarbonation de notre propre parc de véhicules et notamment à l'électrification euh, progressive euh, de notre parc de, 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 de véhicules euh, véhicule automobiles. Enfin, euh, je, je voudrais, euh, et ça me permettra de, de, de boucler le, le, ce, ce, ce propos introductif, je voudrais dire que nous nous mobilisons aussi pour préparer l'adaptation du réseau au changement climatique parce qu'en dépit des efforts d'atténuation de, climatique, qui sont conduits par tous, nous savons qu'il est probable qu'à l'horizon 2050 et à l'horizon 2100, nous soyons dans un monde dans lequel le réchauffement climatique se sera avéré à un niveau important. Et donc, nous travaillons aujourd'hui à différents scénarios d'adaptation du réseau qui portent à la fois sur l'exploitation de ce réseau comment on utilisera le réseau demain, et puis qui porte sur l'adaptation des infrastructures elles-mêmes. Mais je voudrais dire que la première adaptation des infrastructures, c'est d'abord de régénérer le réseau tel qu'il est, parce qu'un réseau moins ancien, un réseau plus moderne, un réseau avec des composants euh, nouveaux, sera un réseau qui sera plus résilient à l'adaptation au changement climatique et donc je reviens sur ma priorité en matière d'investissement le cœur des enjeux du réseau ferroviaire aujourd'hui c'est bien le renouvellement et la modernisation du réseau le plus circulé voilà monsieur le président les propos introductifs que je pouvais exprimer merci beaucoup pour ce propos très clair et très complet euh, simplement j'ai oublié de saluer ceux qui ont fait le choix pendant le mercato euh, estival euh, de venir dans notre commission. Merci euh, alors je dirais pas aux nouveaux mais euh, à ceux qui ont fait le choix de rejoindre notre commission. Je ne peux que vous dire que vous avez fait le bon choix. Euh, nous en venons euh, donc à, aux orateurs des groupes, donc pour les nouveaux qui sont arrivés ici, orateurs de groupe, les orateurs de groupe ont deux minutes. Euh, donc chaque orateur aura l'occasion de s'exprimer, et puis après nous aurons des questions euh, d'une minute. Pour le groupe Renaissance, la parole est à David Valence. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président Directeur Général, SNCF Réseau est à la croisée des chemins. Avec vos 52 000 salariés, vous maintenez, vous renouvelez, vous modernisez les 28 000 km de voies ferrées du réseau national, qui, il faut le rappeler, appartient à l'État. Vous êtes aussi maître d'ouvrage de projets de nouvelles infrastructures ferroviaires. Vos cheminots permettent chaque jour à plus de 15 000 trains de circuler dans notre pays, qu'ils transportent. Des voyageurs ou des marchandises. Oui, vous êtes à la croisée des chemins, car les Français ont envie de train comme jamais, les entreprises aussi ont envie de train comme jamais, mais il n'y aura pas de transition écologique sans report modal et l'électrification des mobilités ne réglera pas tout. Pour satisfaire cette envie de train, il faut que notre réseau ferroviaire structurant bénéficie de considérables investissements de rattrapage, en régénération, en modernisation et en résilience. Or, opération nouvelle. Ceci, ces investissements ont augmenté depuis 2003 et plus encore ces trois dernières années sous l'impulsion de notre majorité dans la logique de la loi d'orientation des mobilités et avec l'appui du plan de relance européen. 2,8 à 3 milliards d'euros par an en régénération et en modernisation, c'est ce qui est aujourd'hui prévu à votre contrat de performance. C'est certes considérable et si cette somme avait été consacrée à notre réseau il y a 10 ans ou 20 ans, nous n'en serions pas là. Mais il faut davantage. Suivant les recommandations du Conseil d'orientation des infrastructures, comment vous préparez-vous avec l'ensemble de la filière à cette montée en charge des travaux de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire structurant, ainsi que sur les lignes de desserte fine du territoire sur lesquelles vous investirez désormais à 100% après 2024, comme sur la ligne Saint-Dié-des-Vosges, en l'étape Quelle part de cet effort le groupe public ferroviaire peut-il porter seul Quels autres concours publics vous seraient indispensables pour atteindre cet objectif Enfin, comment aidez-vous concilier cette multiplication des chantiers avec la nécessité de préserver des circulations ferroviaires, de trains, de voyageurs comme de fret Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président Zulesi, mes chers collègues, Monsieur le Président de SNCF Réseau. Ces dernières décennies, nous avons connu un immense recul de notre réseau ferroviaire du fait de la fermeture et du vieillissement de très nombreuses lignes. Cela est surtout dû à une absence de perspective et de stratégie de la part de nos gouvernants successifs dans le secteur ferroviaire. Le Rassemblement national soutient donc cette volonté de changer enfin de dynamique pour réinvestir massivement dans le train. Nous considérons que l'enveloppe de 100 milliards d'euros annoncée par le gouvernement va dans le bon sens, même si de nombreuses interrogations et réserves subsistent. Nous regrettons de ne pas encore avoir eu de réponse claire de la part du gouvernement sur la préparation d'une vraie loi de programmation des mobilités dans laquelle cet investissement s'insérerait. Votre avis sur cette question nous intéresse car c'est aussi le souhait du Conseil d'orientation des infrastructures et la place du train aujourd'hui doit se réfléchir également pour le fret, cela dans une stratégie commune de développement des transports fluviaux et routiers. Nous souhaiterions aussi avoir votre avis concernant le droit de péage ferroviaire en France. L'un des plus chers d'Europe. Cette redevance, qui représente 40% du prix du billet de train, a augmenté de 5% cette année et il est prévu qu'elle augmente chaque année jusqu'à au moins 2026. En clair, pour que les Français prennent le train, il faut qu'il soit le moins cher possible. Pensez-vous alors qu'une baisse significative puisse être envisagée et compensée par une augmentation du nombre de voyageurs, notamment en développant massivement les systèmes CCR et ERTMS pour augmenter le trafic Ma dernière interrogation concernera les CERM. Il a été très difficile d'avoir des informations sur le financement réel de ces projets durant nos échanges ici. Comment envisagez-vous le financement des premiers projets, notamment concernant les nouvelles infrastructures visant à désenclaver les territoires ruraux, comme dans mon département de l'Aisne Je vous remercie. Merci pour le groupe La France Insoumise Nupes. La parole est à Gabriel Amar. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président, collègues. Entre 1960 et 2021, la part du fret dans le trafic de marchandises est passée de 60% à seulement 9%. Dans le même temps, le, la part euh, des poids lourds est passée de 30% à 90%. Le gouvernement a promis d'inverser la tendance et de doubler la part du fret ferroviaire d'ici 2030 pour atteindre 18%. Pourtant, le dernier contrat de performance de SNCF Réseau est bien en deçà de l'objectif proclamé. En effet, votre prédécesseur... Euh, Limogé, depuis, déclarait devant le Sénat euh, l'an dernier On voudrait plus, mais on va se contenter des moyens alloués. Il s'agit, pour rappel, de 2,8 milliards d'euros par an entre 2021 et 2030. C'est bien loin des 100 milliards d'euros sur 15 ans que réclamait Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF. Ensuite, j'aimerais vous poser une question sur les travaux d'infrastructure du Sillon Alpin Sud. Du tunnel du Mont-Cenis ainsi que d'autres lignes comme la ligne Perpignan-Figueras ou la ligne Tour-Bordeaux. Vous auriez dû réaliser un bilan économique et social au plus tard cinq ans après les travaux pour chacune de ces infrastructures conformément au Code des transports. Or, nous attendons ces bilans pour le tunnel du Mont-Cenis et le Sillon Alpin Sud depuis respectivement 2016 et 2019. De quel droit vous vous autorisez à ne pas respecter la loi en vigueur depuis 40 ans et de quel droit ne rendez-vous pas compte des comptes sur l'argent public que vous utilisez Une décision du tribunal administratif de Paris du 14 avril 2023 donne raison au collectif citoyen qui réclame la publication de ces bilans et vous disposiez d'un délai de 4 mois pour les réaliser afin que le ministre de la transition écologique et le ministre délégué chargé des transports puissent les publier. Pourquoi n'avez-vous Toujours pas réalisé ces bilans. Comment voulez-vous qu'on vous suive dans de nouveaux projets si on n'y voit pas clair sur ceux qui ont déjà été faits Je vous remercie. Merci pour le groupe Les Républicains. La parole est à Nicolas Rey. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président Directeur Général de SNCF Réseau. Le 24 février dernier, la Première ministre a annoncé un plan de relance à 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le rail. Bien sûr, notre groupe a accueilli cette annonce avec grand intérêt, puisque la dégradation de notre infrastructure ferroviaire est criante, comme en atteste notamment la, la ligne Clermont-Paris. Si nous voulons favoriser le report modal de la route vers, la, vers le rail, pardon, et aussi favoriser l'adaptation au changement climatique, nous avons besoin, vous le savez, d'un réseau ferroviaire performant. Toutefois, le manque de précision du gouvernement quant au financement de ce plan nous laisse dubitatif. Comment ce plan sera financé L'État assumera-t-il son rôle ou fera-t-il à nouveau appel aux collectivités, comme cela semble être le cas dans le cadre des négociations actuelles du plan des contrats de plan État-Région Pour financer ce plan plus largement, plusieurs solutions sont possibles. Tout d'abord, envisagez-vous une hausse des péages, sachant que cela n'encouragerait pas le rapport modal une hausse de la fiscalité est également envisagée. Cette solution n'a pas notre préférence vu le taux record de prélèvement obligatoire. Nous considérons plutôt qu'il faudrait affecter toutes les recettes de TICPE pour nos infrastructures. Enfin, même si elle n'est pas contraignante, êtes-vous en attente d'une loi de programmation Autre question comment pouvez-vous aussi réduire le montant des travaux euh, sur nos infrastructures qui sont de plus en plus élevées Enfin, après son financement, nous nous interrogeons sur les capacités d'exécution de ce plan, euh, aussi bien sur la capacité de SFF réseau de programmer ses travaux sans mettre à mal le, le fonctionnement du service, mais aussi sur la capacité de la filière ferroviaire française à tenir cette cadence euh, à hauteur de ce plan de 100 milliards d'euros. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Modem et Indépendant, la parole est à Florence Lasserre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Chabanel, c'est avec vous que nous ouvrons le bal des auditions en cette rentrée parlementaire. Après la présent... avec la présentation du PLF pour 2024, d'ici peu, votre présence parmi nous ce soir est très importante puisque le budget des transports est aussi au cœur des annonces du gouvernement. Nos échanges aujourd'hui vont donc nous permettre d'obtenir, je l'espère, une image claire de la position d'SSCF Réseau pour la suite. Avec mes collègues du groupe Démocrate Modem et Apparenté, nous nous inquiétons de la situation pour le moins critique du réseau ferroviaire français. Dans le rapport Spinetta de 2018, le constat était alarmant. Selon les conclusions, le réseau ferroviaire français a fait l'objet d'un sous-investissement massif depuis les années 70 et, malgré les efforts d'investissement consentis depuis les années 2000, la dégradation de nos infra-ferroviaires se poursuit. Avec un âge moyen estimé à 30 ans pour les voies et les aiguillages, notre réseau a largement dépassé sa, de, sa durée de vie normale. Si nous souhaitons que l'année prochaine soit placée sous le signe du régénération massive des voies, selon vous, quelle part du financement des régénérations nécessaires pourra assumer SNCF Réseau Autrement dit, quelle participation de l'État attendez-vous pour tenir un planning ambitieux des travaux nécessaires pour donner une seconde jeunesse à notre infrastructure ferroviaire je profite de mon temps de parole pour vous poser une question supplémentaire qui concerne plus spécifiquement mon territoire. Le Pays Basque attend depuis des années la régénération et la modernisation des voies permettant de connecter Bayonne à Bordeaux vers le nord et Toulouse vers l'est car la régularité n'est pas au rendez-vous. Pour rappel, les, les lignes qui traversent le Pays Basque affichent un taux de régularité inférieur à 90%. Les moins performantes étant celles reliant Bordeaux à Andaille, 84%, Bordeaux à Tarbes. Bordeaux et Tarbes, pardon, via Pau à 84% et la ligne Bayonne-Pau-Tarbes à 84,2%. Vous vous en doutez, les attentes des habitants du Pays Basque et de ma circonscription sont très fortes et les autorités organisatrices de la mobilité se tiennent prêtes à mieux intégrer le train dans leur offre de mobilité dès que cela, que cela sera possible. Savez-vous s'il est prévu de phaser prochainement des travaux sur ces axes et si oui, quel en serait le calendrier Je vous remercie. Merci pour le groupe socialiste et à la parole est à Bertrand Petit. Merci monsieur le président, monsieur le président directeur général. Greenpeace a révélé la semaine dernière que depuis 30 ans, la France investit plus de deux fois plus dans la route que dans le rail. Alors que la décarbonation des transports s'impose, c'est peu dire que le manque d'investissement dont souffre notre réseau ferré national est grand. Les crédits pour 2023 ont-ils permis à SNCF Réseau d'atteindre les objectifs de régénération et de modernisation du réseau Le plan d'avenir pour les transports présenté au début de l'année par le gouvernement annonce 100 milliards sur 15 ans. Pour 2024, on évoque le chiffre de 700 millions d'euros pour le financement de nos infrastructures de transport dans leur ensemble. Comment SNCF Réseau perçoit-il ce delta Dans le même temps, on apprend que le gouvernement réfléchit abaissit le prix des péages. Ces redevances d'infrastructures représentent une part substantielle du chiffre d'affaires de SNCF Réseau, 86% selon un rapport parlementaire. Et le contrat de performance de SNCF Réseau fait porter le financement de la régénération et de la modernisation du réseau sur le seul produit de ces péages. Une mission d'évaluation doit encore établir l'opportunité de cette mesure. Comment donc anticipez-vous une telle baisse pour SNCF Réseau Enfin, la baisse du péage vise à baisser le prix des billets de train et donc à obtenir un report modal de la route vers le rail. Mais la croissance du trafic voyageur se heurte à des contraintes fortes sur notre réseau, qu'il s'agisse de la qualité et de la performance des sillons octroyés, de la saturation du réseau, notamment à l'approche des métropoles, ou du cadencement. Quel regard portez-vous sur la capacité du réseau à augmenter le nombre de trains en circulation Je vous remercie. Merci pour le groupe Horizon et apparenté. La parole est à Vincent Thiebaud. J'attendais juste que le micro reste allumé. Merci, Monsieur le Président. Euh, monsieur le président chabanel je vous remercie pour, pour vos précisions euh, vous l'avez dit le, le ferroviaire est au cœur euh, un des piliers majeurs pour la transition et la planification écologique d'ailleurs la première ministre s'est pas trompée en annonçant 5 milliards d'investissements dont 50 seront dédiés au réseau les projets sont nombreux les priorités sont nombreuses fret ferroviaire déploiement des réseaux métropolitains express, remodernisation, revitalisation des petites lignes ferroviaires, beaucoup de choses à faire. Donc du coup, beaucoup de questions se posent. Un, comment vous définissez vos priorités Déjà au niveau du fret ferroviaire, sur le entre les dessertes fines ou les autoroutes ferroviettes quelle est la stratégie totalement collée avec une stratégie de la logistique en France, comme je vous l'ai pu poser la question lors de la commission d'enquête. Aussi également, comment vous travaillez avec collectivité territoriale, et ça va être une question, puisque les projets sont nombreux, les priorités doivent être nombreuses. Est-ce que vous envisagez aussi, comme c'est fait actuellement au niveau de la région Grand Est, où il y a la ligne strasbourg lauterbourg qui est en cours de discussion pour être cédée à la, à la région au niveau du, du réseau, hein, non pas que de l'exploitation. Est-ce que c'est aussi une des solutions que vous envisagez de céder une partie à des collectivités éditoriales pour vous concentrer sur les sujets un, petit peu, un peu plus nationaux, un peu plus prioritaires Donc la question, elle est simple c'est comment gérez-vous l'ensemble de ces priorités qui sont nombreuses, longues Je ne vais pas poser la question de financement, parce que ça a déjà été évoqué par d'autres collègues et je pense que vous aurez assez de matière à, à y répondre. Merci à vous, M. le Président. Merci pour le groupe écologiste Nupes. La parole est à Marie Pochon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président Chabanel. La France a un train de retard. Entre 1995 et 2018, la France a dépensé deux fois plus pour ses routes que pour ses rails. Je passerai sur les déclarations d'amour un peu démagogues du président de la République pour la bagnole qu'il adore, lui qui est conduit par un chauffeur et n'est pas contraint à payer. Le, les 2 euros du litre, le prix à la pompe. Je passerai moins sur les 18 milliards d'euros qui continuent, sous couvert d'une écologie à la française, on attend la naissance de France Écologie à la place du ministère, d'être provisionnés sur des dizaines de grands projets d'extension routière ou sur le recours aux tout voitures électriques qui contraignent et contraindront des millions de Français à tout simplement devoir renoncer à leurs déplacements. S'il vous plaît. Alors, nous avons entendu les annonces tardives de la Première ministre pour le rail, et elles sont les bienvenues, même si elles sont insuffisantes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le sujet n'est pas seulement celui d'un transfert des investissements entre les routes et le rail, c'est aussi celui de priorité d'investissement qu'il faut en effet diriger vers la régénération du réseau structurant, comme vous l'avez dit, et donc assumer le choix de cesser l'entêtement vers la vitesse, qu'elle soit routière avec les autoroutes ou ferroviaire avec les lignes à grande vitesse alors que les mobilités représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre la trajectoire d'investissement actuelle dans la revitalisation des petites lignes reste toujours insuffisante en moyenne dans mon département la drôme plus de 80 des trajets sont réalisés en voiture en dehors des grands pôles urbains c'est le même enjeu majeur quelles alternatives face à la fin de la vente des voitures thermiques en 2035 il y a quelques mois la ministre fort présentait le plan France ruralité avec un objectif de 30 millions d'euros pour le dernier kilomètre 30 millions d'euros un peu plus d'un euro par, par an et par habitant pour la mobilité dans les campagnes, comparé aux 35 milliards d'euros pour le très grand Paris Express. Trouvez-vous cela suffisant pour les 88% du territoire national Et deuxième question, comment prévoyez-vous de prioriser et de flécher les investissements à venir entre les projets de LGV et la réhabilitation des petites lignes de train du quotidien Je vous remercie. Merci. Et enfin, pour le groupe Liberté, Indépendant Outre-mer et Territoire, la parole est à Guy Bricou. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président Directeur Général, euh, mes chers collègues. J'ai pris le train ce matin. Oh, oh, eh, eh bien, il, il était à l'heure, il était très propre. Oh. Ce qui oh, n'est oh. malheureusement pas toujours le cas. <laughs> Eh oui, il faut, faut le dire. Alors la future programmation des investissements dans les infrastructures de transport promet une nouvelle donne ferroviaire avec un engagement de 100 milliards d'euros, ça a été dit, de financement nouveau d'ici 2040. Sur le papier, cette annonce semble très prometteuse, mais qu'en est-il dans les faits J'aurais plusieurs questions à vous poser. Pour quand escomptez-vous les premiers versements Pouvez-vous nous indiquer précisément à ce jour à combien s'élèvent les besoins de SNCF Réseau d'une part pour la maintenance et d'autre part pour la régénération du réseau. J'ai plusieurs questions sur la résurrection du fret. L'alliance 4F, lors de la publication du rapport du COI, rappelait la nécessité d'un plan d'investissement dédié au fret, qu'elle estimait à trois milliards et demi d'euros, et regrettait d'ailleurs que le fret ferroviaire apparaisse dilué dans le plan présenté par la première ministre. Partagez-vous ces remarques le président de la région Nouvelle-Aquitaine a indiqué cet été que les collectivités n'arrivaient plus à suivre pour assurer les financements de taille que demande la remise en état des voies ferrées. Aussi, comment envisagez-vous les financements à venir si les collectivités ne peuvent effectivement plus tenir l'effort ces prochaines années Pouvez-vous nous dire combien de petites lignes ont été modernisées à ce jour et combien ont été rouvertes Combien avez-vous investi précisément ces dernières années dans la régénération de ces lignes et aujourd'hui, à combien estimez-vous les besoins de SNCF Réseau pour continuer ces chantiers Alors j'ai à côté de ma circonscription deux constructeurs importants du ferroviaire, Alstom et euh, Bombardier, qui euh, emportent plein de marchés internationaux. Pour essayer leur rame, ils doivent se rendre ou en Tchéquie ou dans la région de Saint-Dizier, mais ce n'est pas idéal. Alors, j'ai l'intention de proposer une mission flash sur les problèmes rencontrés par les constructeurs. Pensez-vous à pouvoir, à partir d'une ligne secondaire, les aider Merci. Merci, chers collègues, et merci d'avoir rappelé que les trains arrivaient à l'heure. Exactement. Et merci aussi de l'accueil que vous aviez réservé à notre commission lorsque nous avions fait une commission en les murs dans votre circonscription sur ces sujets essentiels. Euh, Monsieur le Président, je vais vous laisser la parole simplement pour vous rappeler qu'on a d'ores et déjà euh, 6-7 questions d'une minute après les réponses que vous aurez apportées aux orateurs de groupe. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs les députés. Je vais essayer d'être synthétique. Euh, D'abord sur le, sur le sujet du, du financement. Euh, aujourd'hui, euh, je vais d'abord parler de la régénération et ensuite je parlerai des projets, des autres projets. Sur la régénération, aujourd'hui, elle est financée sur le réseau structurant, c'est-à-dire euh, les lignes qui sont définies comme telles dans le contrat de performance. C'est un peu une définition qui, qui, qui est tautologique, mais euh, sur le réseau structurant, le réseau le plus circulé, y compris à partir du 1er janvier 2024. 14 lignes qui auparavant étaient considérées comme lignes de desserte fine du territoire et qui, à partir du 1er janvier 2024, sont intégrées dans le réseau structurant. Monsieur le député David Valence en a cité, en a cité une. Euh, sur ces lignes-là, aujourd'hui, SNCF Réseau investit 2,8 milliards d'euros par an et ces investissements sont faits à partir des recettes de péage dont dispose SNCF Réseau. Si, on veut porter ce montant euh, à euh, 3,8 milliards d'euros par an pour la régénération à l'horizon de la fin du quinquennat et 500 millions d'euros de plus pour la modernisation toujours à l'horizon de la fin du quinquennat, comme ça a été euh, indiqué, se pose la question de la provenance de ces financements. Le cycle de péage 2024-2026 est déjà arrêté par l'autorité de régulation des transports et il sert déjà à assurer le financement des 2,8 milliards d'euros. Donc je ne pense pas qu'on puisse envisager une hausse complémentaire de péage, qui sont déjà élevés, j'y reviendrai, euh, sur euh, cette, euh, cette, première, euh, cette première période et ce premier euh, cycle tarifaire. Donc le financement pourra venir soit d'apport du groupe SNCF, soit de crédit euh, venant des pouvoirs publics. Voilà. Moi, je n'ai pas aujourd'hui. Euh, ce que je sais dire, c'est qu'il n'y aura pas la capacité de SNCF Réseau à aller plus loin à partir de ses recettes de péage dans ce financement-là. En revanche, la répartition précise entre ce que pourra apporter le groupe SNCF qui a d'ores et déjà, par la voix de son président, indiqué qu'il ne pourrait pas apporter l'ensemble de ce montant. Et ce qui pourrait être apporté par d'autres sources de financement, aujourd'hui, elle n'est pas arrêtée. Le projet de loi de finances, je n'en dispose pas. Et donc, et donc ce, ce sujet reste un sujet qui reste à affiner dans les semaines à venir. La, la question qui va se poser à SNCF Réseau, c'est comment on définit industriellement un rythme de montée en charge de ces investissements. Moi, je ne saurais pas euh, faire un milliard et demi de plus d'investissements en 2024. Si, si on me disait, vous allez avoir un milliard et demi de plus d'investissements en 2024 ça ne serait pas faisable parce qu'un milliard et demi de plus d'investissements, ce sont des entreprises, ce sont des femmes et des hommes qui doivent faire ces travaux, ce sont des interruptions de circulation qui aujourd'hui ne sont pas prévues. Donc en 2024, j'allais dire, on a besoin d'une marche progressive, et puis en 2025 d'une autre marche, en 2026, si on veut être en 2027 au rendez-vous. Donc c'est cette, cette visibilité-là qu'il faut qu'on acquiert collectivement euh, pendant, pendant l'automne. Voilà, ça, ça c'est vraiment l'enjeu. Euh, J'allais dire qu'en tant qu'industriel et qu'en tant que porte-parole des autres industriels de la filière, je, je peux exprimer devant vous, c'est ce besoin d'une visibilité sur la, sur, la, sur la montée en charge. Le chemin est tout autant important que la cible, en fait, euh, si on veut réussir industriellement euh, cette montée en charge. Alors, ça, c'est pour, ce pour la régénération du réseau. Ensuite, on a l'ensemble des autres sujets qui, eux, ne sont pas financés par SNCF Réseau euh, aujourd'hui. C'est le cas, en premier lieu, des lignes de desserte fines du territoire, qu'on appelle plus couramment des petites lignes, euh, sur lesquelles, euh, depuis, euh, progressivement depuis 2015, mais de manière euh, assurée depuis 2018, SNCF Réseau n'apporte plus de financement majoritaire, elle apporte, selon les lignes, 0 ou 8,5% du financement de, de ses travaux. Ces lignes, elles ont vocation à être financées dans le cadre des contrats de projet État-Région qui sont en cours de discussion, de négociation entre l'État et les régions, selon des modalités euh, de gestion qui peuvent être soit de passer par SNCF Réseau, et dans certaines régions, c'est la manière dont ça se passe, et on confie à SNCF Réseau soit au cas par cas, soit dans le cadre de plans. Pluriannuel, la remise à niveau de ces lignes, soit, et c'est ouvert par la loi d'orientation sur les mobilités, dans son article 172, par le transfert de gestion de ces lignes à la collectivité régionale, qui ensuite j'allais dire fait son affaire avec euh, en discutant avec l'état sur le financement euh, de euh, la régénération et ensuite de l'entretien et de l'exploitation de ces lignes en faisant appel par elles-mêmes à des entreprises pour réaliser euh, pour réaliser les travaux du côté de SNCF réseau nous accompagnons les collectivités dans le choix qu'elles font quel que soit ce choix si la collectivité souhaite le transfert de gestion, on accompagne le transfert de gestion. Si la collectivité souhaite nous donner de la visibilité et, nous, euh, et élaborer avec nous un plan pluriannuel de régénération de ces lignes, on le fait en dédiant des ressources et en ayant une transparence complète vis-à-vis -vis de la collectivité. J'allais dire, quand je disais tout à l'heure qu'il faut que SNCF Réseau sache s'adapter aux attentes des territoires, c'est aussi ça. C'est aussi avoir sur ces lignes qui ne sont pas au, au cœur du réseau structurant. Euh, des, des solutions à la carte dans lesquelles SNCF Réseau accompagne les collectivités dans ce qu'elles souhaitent faire. Alors, je n'ai pas la liste. Ici, de l'ensemble des lignes qui ont été qui ont été modernisées, mais il y en a de nombreuses qui ont déjà été modernisées dans la génération précédente des contrats de projet d'État région. Il y en a plusieurs qui sont en travaux en ce moment. Je pense à bourgemont montluçon qui a vocation à réintégrer le réseau structurant. Je pense à nevers qui a vocation, elle aussi, à réintégrer le réseau structurant. Je pense à Dinan-Lamballe qui est en ce moment même en ce moment même en travaux. Voilà, et on a des séries de lignes qui sont aujourd'hui en travaux et en voie de modernisation et qui à la fin de ces travaux, on regagné 10, 20, 30 ans, selon le choix qui a été fait par les collectivités et l'État, de durée de vie, permettant ainsi de développer le service sur ces, sur, sur ces lignes-là. Troisième catégorie d'investissement, euh, les services express régionaux métropolitains. Ils pourront trouver une part de financement au travers des contrats de projet État-région. Ils pourront aussi trouver une part de financement au travers des modalités de financement que peut apporter la Société du Grand Paris au travers de la levée d'impôts locaux qui permettent une capacité d'endettement qui permettent de faire des investissements. C'est le modèle qui a été développé en Ile de France en matière d'investissement. La société du Grand Paris serait mieux à même que moi de vous préciser finement ce modèle, mais c'est une possibilité qui sera ouverte pour accélérer les investissements dans les services express régionaux métropolitains permis par la proposition de loi qui a été portée par votre président. Troisième catégorie d'investissement, les grands projets. Les grands projets du type euh, nouvelle Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Béziers, euh, Provence-Côte d'Azur, euh, etc., etc. Ces grands projets font l'objet de plans de financement ad hoc entre les collectivités territoriales concernées. Souvent, pas uniquement les régions, les départements, les métropoles peuvent y être associés. Parfois, au travers de sociétés de financement qui ont été mises en place, c'est le cas et en région sud et en région occitanie et nouvelle-Aquitaine, avec l'État et avec des demandes de subventions européennes pour financer ces grands projets. Et puis, dernière catégorie d'investissement, le fret sur lequel... Le gouvernement a annoncé un plan d'investissement à hauteur de 4 milliards d'euros à l'horizon 2032, donc 470 millions d'euros qui figurent déjà dans les mandats au préfet pour le, en par état sur le prochain contrat de projet état-région, plus quelques financements, euh, plus des financements nationaux. Euh, dans ce cadre-là, la hiérarchisation des investissements, elle se fait étroitement en lien avec les acteurs du fret ferroviaire et notamment l'alliance 4F qui réunit les entreprises ferroviaires, les chargeurs, les opérateurs. De transport combiné de manière à choisir ces investissements en répondant aux besoins. On sait que, en matière de frais de ferroviaire, il faut finement caler entre la politique de l'offre et la politique de la demande. Et il n'est pas question de faire des infrastructures qui ne répondraient pas aux besoins des logisticiens. Et donc, c'est pour ça que cette hiérarchisation, et là aussi, c'est nouvelle nouveau mode de dialogue entre SNCF réseau et les acteurs concernés. On ne hiérarchise pas ça dans nos bureaux à Saint-Denis, on hiérarchise ces projets pour les présenter aux financeurs ensuite avec les acteurs de, de, de l'Alliance 4F. Donc voilà sur les différents types d'investissements, la manière dont nous, euh, dont nous euh, structurons les financements. Dans tous les cas, ce dont on a besoin, c'est de visibilité, parce que derrière, il faut que nous, on puisse... Recruter en interne à SNCF réseau, mais aussi passer des contrats à la filière qui doit elle aussi recruter. Vous savez que le marché de l'emploi sur un certain nombre de, de professions, notamment les électriciens, les ingénieurs, est un marché qui est tendu. Et si les entreprises n'ont pas la visibilité pour offrir des contrats, euh, embaucher des gens, les former, eh bien, elles ne pourront pas réussir cette montée en charge. Donc la clé est encore une fois euh, la, la visibilité. Je reviens sur le sujet des péages. Sur le sujet des péages, on a effectivement un, un, un niveau de péage dans notre pays qui est relativement élevé par rapport à d'autres pays européens, notamment sur la grande vitesse. Euh, C'est un niveau de péage qui nous permet aussi de financer en propre SNCF réseau de 2,8 milliards d'euros de régénération. Donc ces péages, ils sont employés à financer le ferroviaire. Donc ils ont une, 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 une vertu. Euh, euh, Importante. C'est un niveau de péage qui sont validés par un régulateur, ce n'est pas une décision de SNCF Réseau qui, qui s'assure de la capacité du marché à supporter ce niveau de péage. De Tous nos péages font l'objet d'un avis conforme de l'autorité de régulation. C'est une spécificité française mais que, que nous trouvons très euh, positive puisqu'elle permet euh, de s'assurer de ce niveau de péage. C'est un niveau de péage qui est contesté à la fois par les, les entreprises ferroviaires qui trouvent ce niveau de péage élevé. Par les, par les collectivités régionales, qui ont d'ailleurs, pour un bon nombre d'entre elles, fait un recours contre la tarification euh, qui doit s'appliquer à partir de, de 2024. Il y a une réflexion, euh, plusieurs d'entre vous le cité qui va être initiée par l'État sur ce, sur, ce, sur ce niveau de péage. La difficulté étant que les ressources de SNCF Réseau, c'est soit des péages, soit des subventions. Donc si les péages baissent, euh, il faut trouver comment on finance l'effort de régénération euh, du réseau et, et, et en tant que président SNCF réseau, moi ma priorité c'est qu'on entretienne, qu'on modernise euh, le notre notre réseau ferroviaire et donc que les recettes qu'aujourd'hui j'affecte à cette modernisation ne soient pas perdues. Voilà donc. Euh, la baisse du niveau de péage peut peut-être induire un peu de trafic, mais euh, ce qu'on a constaté en Italie, quand les péages ont été baissés massivement, c'est qu'il y a eu une compensation apportée aux gestionnaires d'infrastructures. Donc voilà. voilà les termes du débat qui, qui ne sont pas euh, du ressort du président de la SNCF Réseau, mais moi, ma, ma préoccupation, c'est la préservation de nos ressources pour moderniser et régénérer ce, ce réseau qui en, a, qui, en a bien, euh, qui en a bien besoin. Euh, alors, je n'ai pas répondu question par question, j'ai essayé de répondre plutôt thématiquement. Euh... Sur le, sur, sur le niveau d'investissement souhaitable, euh, puisque c'était une question posée, il y a aujourd'hui 2,8 milliards dans le contrat de performance de, de SNCF Réseau. C'est un niveau qui est déjà bien plus élevé que ce qu'on avait il y a 10 ans, qui a bénéficié d'un soutien fort euh, des pouvoirs publics au cours des, au cours des dernières années. Avec ce niveau. On contient le vieillissement de la voie, on n'empêche pas le vieillissement des autres composantes du réseau et il nous semble que le niveau qui a été proposé par le Conseil d'orientation des, des infrastructures est retenu par le gouvernement à un milliard de plus euh, par an et un niveau qui permettrait cette fois-ci d'avoir une vraie inflexion euh, à l'horizon 2030 euh, dans la performance du, 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 du réseau. Euh, du réseau euh, ferroviaire. Euh, sur... Euh, donc ça, là, là, là... La visibilité, je vous en ai parlé. Sur la capacité d'exécution, euh, voilà, je pense que la filière est prête, a très envie. On a en France des grandes entreprises de travaux publics, on a en France des grandes entreprises de l'industrie ferroviaire, vous en citiez, euh, citiez quelques-unes, on a en France de grandes ingénieries, on a chez SNCF Réseau des équipes très compétentes. Donc si on a la visibilité, moi je suis confiant dans la capacité en 4 ou 5 ans de réussir la montée en charge et les projets de développement. De manière euh, conjointe. S'agissant euh, des lignes euh, du sud-ouest de la France, euh, nous sommes conscients hein, du vieillissement de, de ces lignes. C'est une bonne illustration. La caténaire entre Bordeaux et euh, le Pays basque a une forme très particulière en ogive euh, qui date euh, des années 30 à 50. Et elle n'a pas été refaite depuis euh, cette époque-là. Et, et, et donc les projets. Enfin, euh, le besoin de régénération du réseau, c'est aussi de moderniser euh, cette caténaire. Alors, on fait des efforts dans, dans, dans cette région. On est en ce moment, dans ce moment en train de refaire la voie au sud de Bordeaux, mais, mais il faut refaire la voie, il faut aussi refaire la caténaire, il faut aussi refaire la signalisation, parce que la performance du réseau, elle est, elle est, elle est définie par son élément le plus faible. C'est le plus voilà. Et donc, si on ne réussit pas à moderniser l'ensemble des composants du réseau, on ne réussira pas à améliorer la performance. Donc voilà, on est vraiment conscient et mari de l'état de la situation, on est prêt à, à, à investir plus, notamment sur ces, sur ces sujets-là. Et, et c'est ce au, au cœur de nos projets de, de modernisation. Euh, Puisqu'on est en plus sur un axe qui accueille des TER, des trains de fret massivement. Euh, DTGV, voilà. enfin, on est vraiment sur le type d'axe qui est au cœur de ce que je dis être le réseau structurant, c'est-à-dire accueillir l'ensemble des trafics sur le réseau, euh, réseau ferré euh, national. Euh, ça, je pense avoir répondu. Euh, su... Pardon ah oui, j'ai pas. Alors j'ai pas la réponse sur les bilans lotis euh, sur le siège, mais on vous apportera. cette réponse euh, sur la revitalisation des petites lignes. Je pense avoir répondu. Euh, et sur la capacité à créer des voies d'essai euh, pour tester le matériel roulant. Alors, on, on avait mis à disposition d'Alstom une voie qui, est effectivement, est à côté de Saint-Dizier. Euh, S'il y a d'autres projets sur d'autres parties du territoire, sur des voies qui ne sont aujourd'hui pas utilisées, nous, on est prêts à, euh, à regarder ce, ce sujet-là. Merci, monsieur le Président, en insistant aussi sur euh, la proposition de monsieur Bricou, parce que sur le terrain, nous avons bien vu que la nécessité d'avoir des infrastructures adaptées pour tester ce qui fait la fierté nationale, c'est-à-dire ceux qui sortent de nos usines d'Alstom notamment. Nous en venons donc aux questions avec une question d'une minute de Daniel Brulbois. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour votre exposé. Moi je voudrais me joindre à vos félicitations à vos, à vos salariés et à vos équipes, parce que nous avons quand même un réseau très vieillissant. 40, 40 années sans gros investissement. et cependant on a 24 millions de voyageurs sur les grandes lignes cet été qui circulent en toute sécurité. Et moi qui prends le TGV toutes les semaines, je me sens en sécurité dans notre train malgré toutes les difficultés de ce réseau très très vieillissant. Donc je souligne votre travail. Seulement je voudrais vous questionner moi sur la suppression de la ligne TGV Strasbourg-Marseille. Donc cette ligne, il n'y a pas d'investissement à faire, elle est en parfait état de fonctionnement. Et donc euh, je me questionne, euh, Donc, euh, on me dit qu'elle n'est pas suffisamment rentable. Donc est-ce que c'est SNCF Réseau qui juge, que, qui, qui attribue les péages et qui, tri, euh, qui attribue les sillons et qui... Euh, ou est-ce que c'est SNCF Voyageurs qui euh, refuse... Euh, parce que cette ligne ne serait pas rentable. Sauf que, vous l'avez dit, euh, la vie dans les territoires au plus près du terrain, c'est votre souci. Et donc, euh, dans, les, dans les, le, les trains métropolitains, il ne faut pas oublier les, les... aucun département et aucune euh, agglomération et aucune région. Merci. La parole est à Damien Adam. Merci, M. le Président. Moi, j'ai deux questions. La première concerne le sujet des, des péages, parce que... Euh, vous l'avez d'ailleurs dit et c'est très clair, les péages conditionnent à la fin le prix du billet de train euh, vendu par les différents acteurs qui, euh, qui utilisent le réseau de SNCF. Et euh, j'ai l'impression, euh, parce que le péage et le montant qui ensuite est dédié à SNCF réseau, c'est la, la, la multiplication du nombre, du prix du péage par train et du nombre de trains qu'il y a sur une ligne. Et du coup. Euh, sur certaines lignes qui sont assez densément utilisées, par exemple Paris-Lyon, j'ai l'impression qu'on aurait quand même capacité, hors période de point, de renforcer le nombre de trains qui passent sur la ligne en ayant des, des péages qui seraient moins importants financièrement pour inciter les acteurs à proposer plus de lignes. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui seraient capables de prendre le train plus tôt ou plus tard, parce que le prix serait beaucoup moins cher. Je pense qu'il y a des capacités, et les acteurs qui nous le disent, qu'on pourrait peut-être un peu plus optimiser le système à ressources équivalentes pour faire baisser les prix en même temps, hein, et même pourquoi pas faire augmenter les ressources pour SNCF Réseau. Le deuxième sujet, c'est l'anticipation par SNCF Réseau des, des travaux sur les grandes lignes et comment on s'assure que les compagnies qui officient sur ces sillons puissent avoir des solutions alternatives quand il y a des travaux. Comment on anticipe le sujet Parce que je crois comprendre que notamment pour Sanitalia, il y a eu un sujet pour 2024 ou pour après sur une interruption de trafic et il n'y a pas forcément de solution proposée sur Merci un... Autre beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Loïc Prudhomme. Et bien entendu, si vous voulez parler d'une minute 20, il n'y a pas de difficulté. Merci, Monsieur le Président. J'en prends bonne note. Monsieur Chabanel, le président Macron adore la bagnole. Moi, j'adore le train. J'adore le train. C'est pourquoi je suis très préoccupé par l'état de notre chemin de fer. Le réseau craque de toutes parts. L'argent manque. Pourtant, vous continuez de porter un projet pharaonique de LGV, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, estimé à 14 milliards d'euros. En plus d'être destructeur pour l'environnement et inutile, ce projet est clairement sous-évalué. D'après le plan de financement daté de 2022, l'estimation de 14 milliards d'euros se base sur un taux d'inflation du prix de la construction de 2% par an, or il est supérieur à 6% aujourd'hui. Ma question est simple, pouvez-vous nous donner le coût actualisé 18, 20, 22 milliards Je crois que cette information intéressera particulièrement les collectivités locales parce que ce sont elles qui vont payer la différence, notamment les 2340 communes impactées par l'impôt LGV, alias la TSE, et les contribuables qui se font déjà dépouiller. Ces milliards ne seraient-ils pas mieux utilisés pour la rénovation de la ligne existante ou encore pour la ligne Polt, le chemin le plus court entre Paris et Toulouse, donc le plus rapide Avec ces milliards, combien de kilomètres de trains du quotidien pourraient être aussi rénovés Et pour terminer, il est urgent que SNCF Réseau, ici et en région, lève l'opacité qui prévaut à la justification de ces projets obsolètes en termes d'aménagement du territoire et d'urgence climatique. Je vous remercie. Merci. La parole est à Emmanuel Maquet. Monsieur le directeur, Président, Directeur Général, le gouvernement a engagé des négociations avec les régions sur le volet mobilité, vous l'avez évoqué, des contrats de plan État-Région 2023-2027. Vu le retour des exécutifs que nous avons consultés, il semble que le niveau d'engagement de l'État ne permettra pas la signature des mandats de négociation dans les délais initialement envisagés. Ces CPER incluront un financement croissant des travaux de régénération du réseau ferroviaire national par les régions, alors que ce n'est pas leur mission naturelle. À combien chiffrez-vous la contribution espérée des régions pour cofinancer ce transfert déguisé des lignes UC 4 à 6, sachant qu'elles paient déjà l'entretien du réseau via les péages élevés Le niveau de financement de l'État pour ces lignes aujourd'hui de 11,5%, vous l'avez rappelé, n'est semble-t-il pas suffisant pour inciter les régions à s'engager. J'en veux pour preuve la ligne aville tréport tréport les bains de mon territoire qui semble aujourd'hui ne pas intéresser le ministre des Transports. Monsieur le Président, le transfert aux régions du financement intégral des, pe des petites lignes, des lignes 7 à 9, vous paraît-il pertinent alors que ces dernières ne disposent pas du financement nécessaire à leur régénération Merci. Merci. La parole est à Jean-Pierre Tête. La parole est à Vincent Descoeurs. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, Directeur général, je souhaitais vous interroger sur. La question des péages, vous avez en partie répondu à ma première question en rappelant qu'ils étaient parmi les plus élevés d'Europe et que la marge de fait de manœuvre était restreinte. Euh, Peut-être s'agissant de la participation des régions, euh, ne pensez-vous pas que la participation des régions aux travaux de régénération via les CPER pourrait justifier de réduire les péages de celles qui participent aux investissements euh, Autrement dit. Euh, Penseriez-vous d'une tarification dé dégressive pour récompenser celles qui utilisent le plus le réseau avec une part fixe et une part additionnelle qui serait de fait moins élevée pour elle. Merci. Et enfin la parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Euh, monsieur Chabanel, je souhaitais également vous poser une question sur le projet GPSO, dont vous êtes le, le maître d'ouvrage. Comme vous le savez, l'avis extrêmement critique de l'autorité environnementale a été rendu public début septembre. Il souligne que le contenu du projet n'est pas complet et que certaines thématiques sont insuffisamment abordées, comme le bruit ou l'artificialisation des sols. On parle d'un projet, je le rappelle, qui va anéantir 4800 hectares. Par ailleurs, l'analyse du développement éventuel de l'urbanisation est qualifiée, là encore je cite, d'extraordinairement pauvre. Concernant la qualité de l'air, l'autorité environnementale dit là aussi que le niveau de traitement de cet enjeu est anormalement faible pour une infrastructure de transport. Et quant au bilan des gaz à effet de serre, il est pointé que celui-ci souffre d'un manque d'actualisation, l'étude d'impact n'étant toujours pas actualisée depuis 2014. Et tout cela amène l'autorité environnementale à déclarer qu'elle ne peut tout simplement pas instruire son avis. Donc une question s'impose, ces improbables manquements reflètent-ils une grave sous-estimation de l'impact environnemental du projet qui ne répondrait plus aux normes actuelles, ou bien cela est-il attribuable à de l'amateurisme, alors même que nous parlons d'un projet estimé à plus de 14 milliards d'euros Merci pour votre réponse. Merci. Est-ce que vous avez pu poser les questions que vous souhaitiez, chers collègues Pas d'autres questions Bien, Monsieur le Président. Je vous Merci. laisse le soin de répondre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés. Euh, alors, s'agissant de la liaison euh, Strasbourg-Marseille, c'est un sujet qui ne concerne pas SNCF Réseau puisque, en fait, euh, la, les, comme vous l'indiquez, l'infrastructure est là. Euh, le sujet euh, concerne les entreprises ferroviaires, SNCF Voyageurs ou toute autre entreprise qui voudrait faire euh, du Strasbourg-Strasbourg-Marseille. Euh, euh, et qui devrait trouver, puisqu'on est sur du service librement organisé, euh, y trouver euh, son compte. Voilà. Mais nous, on est à même de délivrer, euh, de délivrer des sillons sur, cette, euh, sur cet axe. Euh, S'agissant des... des, des des péages euh, et effectivement de leur, de leur impact sur les, sur les, sur les entreprises survières. Donc, sur les services librement organisés, par exemple sur Paris-Lyon, on a déjà une modulation assez forte des péages selon la période de, de, de la journée. Et, et aujourd'hui, euh, il reste de la place sur Paris-Lyon, vous l'indiquiez, hein, il reste même de la place sur Paris-Lyon en, en heure de pointe. Et, et ce qui bloque. Le plus, les entreprises survières, c'est la disponibilité du matériel roulant, que ce soit pour SNCF Voyageurs, pour Train Italia ou pour Renfe qui compte euh, aller sur cet axe euh, l'année euh, prochaine. En tout cas, c'est ce qu'ils ont, euh, ce qu ont indiqué. Euh, le, le, leur premier facteur limitant, c'est. Euh, d'avoir du matériel roulant. Les commandes sont passées chez Alstom mais le, ou chez d'autres fournisseurs, mais le temps d'être livré. Et donc aujourd'hui, il le, le, y a une telle appétence pour ces, pour ces lignes que euh, même avec le niveau de péage qui est plus faible en, en creux de journée, qui est plus faible selon le type de train à utiliser... Euh, et, pour les nouveaux services mis en place, on fait en plus les premières années une réduction du niveau de péage. Quand, quand, quand un nouvel opérateur ou quand un opérateur existant met en place un nouveau service, on lui propose une réduction de nouveau de pH, du niveau de péage pour inciter à ce qu'il y ait le plus de trains possible sur le réseau. Donc on essaye d'avoir cette politique vraiment commercialement, commercialement active. Mais aujourd'hui, la principale difficulté rencontrée par les entreprises de la grande vitesse, c'est la disponibilité d'un parc de, de matériel roulant. Sur l'anticipation des travaux sur les grandes lignes, c'est un, 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 euh, un vrai sujet. Euh, je, je vais prendre des exemples très concrets qu'on vit en ce moment même et que j'ai eu l'occasion d'exposer à la commission d'enquête sur le fret, parce que les entreprises de voyageurs ont toujours l'impression qu'on favorise le fret, les entreprises de fret qu'on favorise les entreprises de voyageurs. On doit aujourd'hui faire des travaux importants entre Paris et Dijon dans des tunnels, ce qui oblige à l'interruption complète des, des, des circulations. Euh, on a fait le choix, et Paris-Dijon, c'est un axe très important pour les voyageurs, c'est aussi un axe majeur pour le fret, puisque c'est la desserte depuis le sud-est de la France, de l'agglomération euh, parisienne, donc c'est vraiment un poumon pour le, pour le trafic de fret. On a fait le choix de faire les travaux de jour, après la pointe du matin et avant la pointe du soir, donc entre 9h30 et 17h30, ce qui est très pénalisant pour les entreprises de travaux de voyageurs, mais ce qui permet... La nuit de faire circuler les, 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 les trains de fret. Donc, ce choix, on y est, euh, j'allais dire, sans arrêt confronté. Et par exemple, dans la vallée de la Maurienne, indépendamment des difficultés qu'on a aujourd'hui euh, venant de la montagne elle-même, euh, on, quand on doit faire des travaux deux jours, ça va pénaliser les entreprises. De, qui font du Paris-Milan grande vitesse, donc euh, SNCF Voyageurs et Train italia Et si on fait des travaux de nuit, en revanche, ça pénaliser le fret entre la France et l'Italie sur un axe qui là aussi est majeur. Donc on cherche sans arrêt à trouver cet équilibre. Euh, C'est pas toujours simple, mais je pense qu'on qu'on essaye de voilà de, de, de privilégier ni le fret ni le voyageur et de trouver le, le meilleur équilibre par rapport au nombre de sillons. S'agissant de la, la, la ligne à grande vitesse entre, entre, Bordeaux, euh, entre Bordeaux et Toulouse, aujourd'hui on a un coût euh, qui a été actualisé en 2020, qui est présenté en Euro 2020, donc qui, qui, aura, qui, aura le, qui sera actualisé de, de l'inflation en fonction de la réalisation de la ligne. Moi je, je, je crois beaucoup que si on veut faire du report modal euh, de l'aérien euh, vers le train, quand on est à plus de 3h15 euh, euh, d'une de, 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 ville à l'autre, on ne réussit pas à faire ce report modal. Donc faire des lignes à grande vitesse, enfin, je, je crois que la France n'a pas de, 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 de honte à avoir du réseau à grande vitesse qu'elle a construit au cours des années. S'il n'y avait pas ce réseau à grande vitesse, on ne serait même pas dans cette salle, à mon avis, à parler du train en France. Enfin, ça, ça a contribué à dynamiser l'usage du train dans notre pays. Et, et je comprends que euh, des collectivités territoriales souhaitent est intégré au réseau à grande vitesse. Alors SNCF Réseau, de par ses statuts et la règle d'or, ne finance plus euh, ce réseau à grande vitesse. Donc c'est un sujet, euh, les décideurs sont bien les collectivités territoriales et l'État, mais nous, on est pleinement engagé pour réussir ce réseau, euh, pour réussir ces nouveaux projets. Euh, je ne crois pas que ce soit incompatible avec l'effort de régénération. Je vous l'ai dit, l'effort de régénération, ça vient avant tout le reste. Et effectivement, si on faisait le réseau à grande vitesse et pas l'effort de régénération, on se tromperait. Mais en revanche, on ne peut pas dire qu'en travaillant sur la ligne existante, on va gagner une heure entre Bordeaux et Toulouse. Ça, c'est un scénario qui, qui n'existe pas et qui n'a pas de, de consistance industrielle. S'agissant de l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, euh, c'est l'axe... Avec Paris-Clermont, sur lequel aujourd'hui on investit le plus dans la régénération du réseau euh, du réseau structurant. Je participe moi-même à l'ensemble des groupes techniques sur ce sur cet axe et on est extrêmement euh, motivé pour accompagner notamment l'arrivée du nouveau matériel roulant à l'horizon euh, à l'horizon 2026. S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale toujours sur ce projet, nous nous, nous y répondrons. Euh, C'est ce, ce dossier euh, conséquent d'études d'impact hein, qui, qui, je le rappelle, faisait. Euh, près de 7000 pages, euh, a fait, fait l'objet d'un certain nombre d'observations euh, auxquelles nous répondrons et, et nous compléterons naturellement euh, ce, ce, ce dossier. Je, je rappelle qu'il portait uniquement sur les accès ferroviaires au nord de Toulouse et pas sur l'ensemble du projet euh, GPSO euh, au complet. Sur les mandats CPER, euh, SNCF Réseau est là pour... Euh, éclairer les choix d'investissement, donner les montants des projets. Il ne participe pas directement à la négociation puisqu'il n'est pas financeur de ces projets. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, n'y a pas dans les CPER de régénération des UIC euh, 4A6. La régénération des UIC 4A6, elle est bien dans le réseau structurant et financé par, par SNCF Réseau et on ne va pas chercher sur ces lignes-là des crédits CPER, pas plus que après 2024 on ira chercher des crédits sur les, les 14 lignes qui sont intégrées au réseau. En revanche, effectivement, dans les CPER figure euh, les lignes de desserte de fines territoire qu'on appelait avant UIC 7 à 9, et qui, elles, doivent, euh, puisque aujourd'hui SNCF Réseau n'a pas la capacité à financer leur, leur régénération, qui doivent aujourd'hui faire, faire l'objet de, de plans de financement entre les régions euh, et l'État. Euh, je suis conscient de la, la charge que ça, que, ça, que ça met sur les autres financeurs, euh, financeurs publics. Je voudrais simplement signaler que les péages sur ces lignes-là, et c'est bien normal, n'inclut pas de part liée à la régénération des lignes. Donc, il on, n'y on, on, a pas, sur ces lignes sur lesquelles les régions viennent financer, il a pas les péages ne couvrent que les coûts d'entretien et d'exploitation courants, qui sont bien pris en charge par SNCF Réseau, mais ne viennent pas financer la régénération du reste du, reste du réseau, ce qui est tout à fait, no j'allais dire, ce qui est la moindre des choses, ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a encore 7 ou 8 ans, et donc, euh, voilà, aujourd'hui, cette situation a été euh, régularisée. Euh, voilà, je pense que j'ai répondu euh, à l'ensemble des questions, Monsieur le Président. Mais sur ah, Alors peut-être que. Monsieur ah oui, Decker oui, oui, si, si, tout à fait. Préciser... Oui, oui, pardon. pardon. Ah. Euh, sur, la, sur la question des régions, euh, on, 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 je, je partage complètement et, et la nouvelle tarification 2024-2027 euh, intègre une part de tarification au forfait, c'est-à-dire que une région qui, qui, qui développe son offre paye moins cher qu'une région qui maintient son offre. Euh, voilà, Les, les, les tarifications au-delà euh, de, 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 du niveau d'offre actuel, enfin euh, les, les circulations au-delà du niveau d'offre actuel, payent des péages moins élevés que les circulations dans le niveau d'offre actuel. Donc ça, ça, on a été poussé à ça par l'autorité de régulation des transports, et, et, et à juste titre, parce que ça, c'est favorable au développement du trafic. Après, ça vient dans une dynamique d'augmentation des péages qui est importante, donc qui peut masquer cet effet positif de structure, mais il mais, mais y a bien un effet positif de structure, et qu'on veillera à renforcer de cycle tarifaire en cycle tarifaire, de manière à avoir une tarification la plus favorable possible au développement de l'offre. Votre euh, propos suscite de nouveau des interrogations, Monsieur le Président. Euh, parole fin euh, de question de Monsieur Loïc Prud'homme. Oui, pour euh, préciser, Monsieur le Président, le sujet est trop important pour euh, s'accommoder euh, soit d'approximation, soit de défaut de compréhension entre nous. Euh, vous nous dites que sur le, le GPSO, le, le coût finalement euh, sera finalisé au fil, au fil de l'eau, au fil des travaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes incapable de nous donner une trajectoire financière. Euh, ou en montant, et je voudrais vraiment qu'on soit sûr de ça, parce que je le disais, il y a, il y a cette TSE qui, qui intéresse particulièrement les collectivités locales. Ensuite, sur la question de, de la LGV versus la rénovation de la ligne, euh, aujourd'hui la différence, effectivement, elle est de 20 minutes, et, et pour l'heure gagnée, ça concernerait un train par jour, donc je pense qu'il faut le dire aussi, et qu'il faut du coup, ce que vous affirmez aussi, et je souscris à ça, c'est que la Polte, visiblement peut-être une alternative, parce que j'ai des souvenirs de cours d'arithmétique qui me disaient que le, le chemin le plus court était nécessairement pouvait être le plus rapide et que la polte était le chemin le plus court entre Toulouse et Paris. Est-ce que vous confirmez que c'est une option euh, qui pourrait fonctionner en termes de, de rapidité de transport Merci, monsieur Topiac. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Président Directeur Général. Une question plutôt sur la stratégie des SNCF réseau avec deux exemples de mon département du, du Gers. Une première ligne toujours opérationnelle entre Hoche et Toulouse où il y a une stratégie d'amélioration du réseau des SNCF réseau qui démarre de Toulouse mais qui s'arrête aux portes du Gers alors qu'il s'agit de la seule ligne opérationnel dans le département et que la partie gersoise ne sera pas réhabilitée. Donc, quelle est la stratégie à la lumière de ce projet et de plus globalement de la liaison urbain rurale pour les, les lignes euh, des SNCF Réseau, les voies des SNCF Réseau, et une deuxième sur une stratégie qui concerne le transfert d'une voie ferrée, celle de doche agen qui justement à la faveur de la LGV va pouvoir être rouverte avec un syndicat mixte entre la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et euh, la difficulté d'appréhender le, le transfert qui se fait seulement sur du fret, dans un premier temps, et euh, SNCF Réseau qui n'a pas, semble-t-il, la volonté aujourd'hui de céder cette ligne au travers d'une convention pour du passager, alors qu'il y aurait une vraie logique de ligne secondaire en lien avec la LGV, puisque ça viendrait desservir toute une partie du département en lien avec la future gare LGV. Merci. Merci, M. Valence. Oui, d'abord une précision aux collègues qui ont parlé des contrats de plan État-Région. Euh, le rapport entre ce qui est attendu des régions et ce qui est attendu de l'État est exactement identique à ceux des contrats de plan État-Région précédents. Il n'y a aucun changement. C'est 52-48 à peu près depuis plus de 20 ans en France sur les investissements sur l'infrastructure ferroviaire. C'est important de le dire. Euh, une question sur le, le fret. Euh, comment vous vous mettez en situation à SNCF Réseau euh, d'accorder une vraie place aux frais de ferroviaire dans les circulations alors que les péages du fret sont nettement inférieurs à ceux des voyageurs et que donc en interne pour vous c'est beaucoup moins économiquement rentable de faire rouler des trains de fret que des trains de voyageurs. C'est une question que je vous ai déjà posée souvent, mais je la repose ici. Et je poserai une question, vous en avez pas mal parlé, mais c'est important d'insister au regard des enjeux sur le déploiement de leur TMS peut-être nous partager les travaux qui sont en cours et la nécessité aussi que dans cette Assemblée et en particulier dans cette commission, nous soyons en capacité de vous accompagner dans le déploiement de ce système centralisé européen où là aussi il y a des enjeux d'innovation essentiels et si nous voulons justement travailler sur le niveau européen, je crois qu'il est important d'avoir une ambition beaucoup plus forte sur ce sujet. Merci. Euh, alors, si, si je reprends les questions. Sur, sur, sur GPSO, on, on a annoncé un montant en 2020 qui est en, euh, en euro 2020. Ensuite, il y a l'inflation qui vient se mettre sur ces montants-là, mais il n'y a pas... Euh, on, on est... Ce que je veux dire, c'est qu'on inflate chaque année euh, du niveau de l'inflation, de l'indice des travaux publics. C'est ce qu'on fait sur tous les projets d'infrastructure ferroviaire, euh, où on contractualise autour de tous les projets routiers, ou même les projets de bâtiments. Hein, on contractualise sur un montant, une année donnée, et ensuite les contrats euh, et les marchés passés avec les entreprises euh, sont indexés des indices des travaux publics, etc. Je, je n'ai pas, 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 pas ce montant ici mais, 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 mais voilà enfin, la, la référence c'est bien de faire euh, de, de prendre les coûts des travaux sur, sur une année donnée. S'agissant de la ligne polt euh, s'agissant de la ligne polt, elle ne permettra jamais en termes de temps de parcours euh, alors même qu'il n'y a pas de ralentissement particulier sur cette ligne de faire euh, Bordeaux Toulouse, euh, en moins de 6 heures. Hein. Enfin, euh, la ligne polte dans euh, le lot, euh, elle a été tracée, et ça, ça remonte au 19e siècle, euh, à euh, 80, 100, 120 km h euh, on, ne la, on ne la portera pas à une vitesse euh, très différente. Elle a plein de d'utilités, de vertus, elle relie euh, euh, Paris et Limoges, elle relie Limoges et Toulouse, etc., mais... Au... D'ores et déjà, aujourd'hui, elle peut accueillir très favorablement le train de nuit, qui est un très bon mode de transport pour faire Paris-Toulouse la nuit. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, le passage par la ligne polt pour aller à Toulouse est plus long que le passage par Paris-Toulouse, alors même que la LGV Bordeaux-Toulouse n'existe pas encore, puisqu'on est à 4h20 quand on passe par la ligne à grande vitesse par Bordeaux et qu'ensuite on reprend la ligne classique entre Bordeaux... Et entre Bordeaux et Toulouse. S'agissant des projets dans le Gers, euh, je, je, je crains de ne pas avoir de réponse suffisamment précise à vous apporter, Monsieur le Député. Euh, je je euh, entre très clairement la ligne entre Auch et, et entre Toulouse et Auch. Et un enjeu important euh, de, 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 de fonctionnement de l'étoile de Toulouse euh, et, de, et de la desserte ferroviaire euh, autour de Toulouse. Donc, euh, SNCF Réseau est particulièrement euh, motivé euh, au développement euh, des trafics, euh, des trafics sur, cette, euh, sur cette ligne et dans toutes les réflexions euh, que nous avons autour des services express régionaux métropolitains euh, autour de Toulouse, nous travaillons. Nous, nous travaillons. Enfin, euh, 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 cette ligne est, est systématiquement. Euh, systématiquement intégrés dans, dans les réflexions avec le, le Conseil régional et la métropole. S'agissant du transfert de, de voies ferrées entre euh, Agen et, et Auch, il y avait effectivement un projet de transfert, ou il y a effectivement un projet de transfert de cette voie ferrée euh, au départ pour des trafics de fret, puisque le trafic de voyageurs s'est arrêté depuis longtemps. Il restait un trafic de fret qui s'est lui-même arrêté, mais, 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 mais avec un projet de transfert pour le redynamiser à une époque avec, euh, avec le port de Bordeaux, mais je n'ai pas fait le point récemment récemment sur, euh, sur cette ligne donc euh, là aussi on vous répondra euh, euh, postérieurement à cette, euh, à cette réunion en matière de fret euh, vous, vous, vous vous le disiez monsieur le député euh, c'est pas les péages fret qui font l'intérêt du fret pour SNCF réseau parce que les péages fret ils payent leur coût marginal et donc entre un péage fret et un péage voyageur le péage le, le voyageur euh, euh, rapporte plus mais moi ma conviction profonde c'est que euh, le réseau ferroviaire sera d'autant plus aidé et financé qu'il sera utile. Et le trafic de fret contribue très directement à l'utilité pour la collectivité du réseau ferroviaire. Et donc si je veux vous convaincre, convaincre la représentation nationale, convaincre le gouvernement d'investir dans le réseau euh, ferroviaire, et j'essaye de m'y employer jour après jour, euh, il faut que le trafic de ce réseau puisse permettre le report modal de la route vers le fer pour le transport de marchandises. Et donc je, SNCF Réseau a un intérêt qui n'est peut-être pas direct dans son compte de résultat via les péages, mais qui est très direct via l'utilité et sa capacité à convaincre. Les pouvoirs publics de lui apporter des financements à participer au développement du fret. C'est pour ça que je me réjouis, d'une part, d'avoir des financements euh, pour la rénovation des triages, la rénovation des voies de service, la rénovation des capillaires fret, qui sont en train de se mettre en place, qui, depuis le plan de relance post-crise sanitaire, sont à peu près du double, voire du triple de ce qu'ils étaient. Euh, auparavant, cette tendance semble se confirmer dans les contrats de projet de région. Je n'ai pas encore les contrats signés, mais en tout cas, dans les mandats, dans ce que je sais des mandats de l'État, ça allait dans ce sens-là. Je sais aussi qu'il y a des régions qui sont très engagées dans la promotion du fret. Donc, je me réjouis de ces investissements et je me réjouis aussi de la dynamique de marché qu'on voit derrière le fret, puisqu'on a bien vu, post-crise sanitaire, qu'il y a, de la part des chargeurs, une attente euh, pour, le, pour le fret ferroviaire. S'agissant du déploiement de l'ERTMS, qui est le, le système européen de signalisation des trains, qui présente euh, plusieurs intérêts. D'abord, c'est un système qui, sur certaines lignes, va nous permettre de mettre plus de trains qu'on peut en mettre aujourd'hui. Je vais prendre un exemple, la ligne euh, à grande vitesse entre Paris et Lyon, où on est en train de déployer ce système et où aujourd'hui, en heure de pointe, on peut faire passer 13 trains chaque heure. Avec ce système, on pourra faire passer 16 trains par, par heure. Donc, sans construire une ligne nouvelle, on réussit à augmenter la capacité de la ligne de 20 C'est enfin, considérable. Ce système, il permet aussi l'interopérabilité, c'est-à-dire que, par exemple, les trains de fret qui traversent l'Europe n'auront besoin que d'un seul système de commande euh, à bord. Euh, Qu'il soit en Allemagne, en France, en Espagne, pour, par exemple pour les trains qui font ce, ce trajet-là et sur lequel on souhaite vivement un report modal de la route vers le, vers le ferroviaire. Donc ce, ce, ce déploiement de l'ERTMS, c'est un enjeu important pour développer le trafic. Aujourd'hui, ce déploiement de l'ERTMS, on le fait projet par projet. On a un projet sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, on a un projet entre Marseille et Vintimille, on a un projet entre Longuillon et Bâle euh, en région Grand-Est, principalement sur le réseau classique et, et principalement à destination, euh, à destination du fret. Mais voilà, on fait des projets au cas par cas. Avec la perspective d'avoir 500 millions d'euros pour la modernisation du réseau, ça permettra d'avoir un vrai plan de déploiement de l'ERTMS sur le réseau ferré national. Là aussi, c'est un enjeu important. Pour le développement des trafics, pour la facilitation des trafics dans notre pays et en Europe. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que si on ne le fait pas de manière volontaire, s'agissant d'une obligation européenne, ça deviendra un jour ou l'autre une dépense contrainte qui viendra être prélevée sur nos autres dépenses de régénération du réseau. Donc on a intérêt à trouver le bon équilibre dans le déploiement de ce système ERTMS. Voilà, monsieur le Président, ce que je pouvais indiquer. Écoutez, merci beaucoup pour euh, cette audition, merci pour les éléments de réponse euh, apportés. Euh, je crois que certains collègues attendent euh, un certain nombre de, de chiffres, si vous voulez bien leur communiquer. Euh, on sera forcément vigilant lorsque, lors du budget qui sera présenté euh, dès demain sur les différents aspects que vous venez de partager, chers collègues. Juste quelques annonces. Très importante. Un peu juste quelques secondes. Demain, on se retrouve à 9h30 dans cette même salle autour des sujets de biodiversité avec notamment euh, l'audition du directeur du comité euh, français de l'UICN, Sébastien Moncor, l'audition d'Éric Bruat, directeur de la Fédération des Parcs Naturels et de monsieur Christophe Lépine, président de la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels. J'insiste parce que ce sera la dernière fois. Que nous nous retrouvons dans cette salle puisque les travaux se sont achevés et nous finissons les derniers tests de son donc nous nous retrouverons dans notre salle officielle juste à côté la semaine prochaine chers collègues merci beaucoup pour votre participation et on se donne rendez-vous demain dans cette même salle